À côté de nous, Benoît de la Chapelle Bizot, directeur général délégué de la Fédération bancaire française. Benoît, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous faites, comment vous voyez déjà la déclaration qui a été faite à Paris ? Merci beaucoup. De la même manière que le secteur des assurances, le secteur de la banque et la Fédération bancaire française représentent l'ensemble des banques françaises, est pleinement mobilisé en faveur du climat. Comme l'a dit Philippe Brassac ce matin, le secteur bancaire fait partie de la solution. Il a rappelé que nous étions membres officiels de la COP21. Il a rappelé l'ensemble des engagements souscrits par la grande majorité des banques françaises. Nous avons évidemment partie prenante de l'ORS. Nous avons souscrit au principe de l'Équateur, aux différents principes de l'ONU. On a été à l'initiative du mouvement de l'Union bancaire francophone qui a pris des engagements forts en matière de financement de la transition énergétique. Et c'est quelque chose qui est pour nous très symbolique, puisque au sein de l'Union bancaire francophone, qui associe aussi l'Union bancaire arabe, qui n'est pas toute francophone, c'est bien la dimension nord-sud qui s'exprime. Toutes ces déclarations communes visent à souligner le rôle particulier des banques en faveur du financement de la transition énergétique et de ce point de vue-là, la particularité du modèle français bancaire. Parce que c'est un modèle qui est universel, c'est-à-dire qu'il aide au financement de la transition à la fois du côté du crédit classique, mais en même temps en accompagnant les nouveaux acteurs sur les marchés. Il est donc capable d'un continuum de financement et de solutions de financement complet. Et ça, c'est la grande force du système bancaire français. Et de ce point de vue-là, les banques participent autant au financement de projets et, comme Philippe Brassac vous l'a rappelé, à l'émission de titres verts, les fameux green bonds, sur lesquels, très clairement, les établissements français sont en pointe au niveau international. De la même manière, les banques étant universelles, elles ont des filiales assurances et donc elles jouent un rôle. Je ne reviens pas sur ce que vient de dire Bernard. Elles ont des filiales de sociétés de gestion d'actifs et là, elles offrent aux clients, comme vous l'avez rappelé, différentes solutions d'investissement pour leur permettre de répondre à leurs besoins. Je voudrais juste conclure sur les sujets que la pleine mobilisation du secteur bancaire, comme l'a dit Bernard, elle a besoin aussi d'être accompagnée et encouragée par les pouvoirs publics. La réglementation prudentielle donne des incitations négatives. On doit changer de logique et rentrer dans une incitation positive. Aujourd'hui, on pénalise à la fois les investissements de long terme et on encourage tout ce qui est à court terme. C'est évidemment l'inverse qu'il faudrait faire. De la même manière, nous sommes en faveur, et on salue l'initiative du ministre de ce matin, du ministre Fabius, que le carbone est un prix. Il est important de fixer un prix au carbone parce que ça permet de fixer un prix aux anticipations et aux projets que nous devons financer. C'est donc un éclairage essentiel au financement de l'économie et pour les financeurs que nous sommes. Enfin, bien entendu, nous saluons l'initiative qui a été prise par le groupe de travail dit Bloomberg sur les stress tests de résistance au changement climatique et nous nous tenons évidemment à la disposition des pouvoirs publics pour travailler ensemble aux réflexions en la matière. Vous avez fait, vous avez parlé du prix carbone tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'autres attentes de la COP21 ? Au-delà, je crois que la vraie priorité, c'est de donner la priorité au développement d'une croissance vertueuse et, si j'osais le dire, une priorité de la croissance sur la recherche de stabilité financière. Aujourd'hui, on doit passer à l'étape d'après. On a restabilisé le système financier en global, en tout cas pour ce que j'en connais de notre secteur économique. Il faut aujourd'hui que les nouveaux outils qui ont été développés, les acteurs qui ont été remis en selle, puissent faire leur job qui est de financer une économie bas carbone. Merci Benoît.